Séverine Ferrer s'est entourée de diverses personnalités des médias, de la politique et du monde du spectacle pour faire entendre la voix de toutes les femmes. Le 25 novembre, l'ancienne animatrice télé a présenté son spectacle La Voix des Femmes à la mairie du 3e arrondissement de Paris, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs stars ont défilé sur scène pour partager leurs témoignages. On a ainsi pu voir Marie Fugain, Sherif Alouna, la danseuse Gladys Foggia, Capucine Coudrier, Maïmouna Gueye, la comédienne Clémence Lassala, l'avocate Nathalie Tomassini. En tout, ce sont 45 femmes qui ont participé à ce spectacle vivant et humain, en se mettant à nu et en comptant leurs histoires personnelles et leurs combats contre les violences. Au sein du public, on a pu voir Magloire, qui a récemment déclaré avoir des soucis de santé, la jeune chanteuse découverte dans The Voice Kids Zoé Closure, Samantha Régnier, Charlotte Gaccio, Kim Spark, Elisa Servier, Lucie Bernardoni, de la Star Academy 4, mais aussi Marlène Schiappa, ministre déléguée de la citoyenneté qui a salué cette initiative et donné un discours. Après ce showcase ouvert à tous, Séverine Ferrer a pris plaisir à rencontrer le public et à prendre des photos avec ses fans et ses amis.